Alors que le soleil se lève sur les sommets dentelés de l'Himalaya, projetant de longues ombres à travers le paysage gelé, un conte glaçant se déroule sur les pentes du mont Everest. Culminant à une hauteur impressionnante de 8848 mètres, l'Everest a été un symbole de l'ambition humaine et un témoignage de l'esprit indomptable de l'aventure. Pourtant, c'est aussi un cimetière où des centaines ont péri dans leur quête pour conquérir le plus haut sommet du monde. Ce géant redoutable, un appel de sirène pour les alpinistes depuis sa première ascension réussie en 1953 par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, plus de 300 vies ont été revendiquées par la montagne, avec un taux de mortalité pour les grimpeurs atteignant un effrayant 1%. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces pertes tragiques? Hypothermie, avalanche, chute et le redouté mal des montagnes sont les assassins silencieux de l'Everest, attendant de revendiquer les vies, même des grimpeurs les plus expérimentés. Parmi les nombreuses victimes, l'histoire de Rob Hall et Scott Fisher dans la désastreuse année de 1996 se démarque. Leur terrible épreuve, alors qu'ils succombaient aux éléments brutaux lors d'une tempête mortelle, sert de rappel sinistre de la nature impitoyable de l'Everest. Le jour le plus meurtrier de la montagne est survenu le 25 avril 2015, lorsqu'une avalanche déclenchée par un tremblement de terre a emporté la vie de 22 personnes au camp de base de l'Everest. Pourtant, au milieu des récits de mort, il y a une réalité macabre. Les corps de ceux qui tombent restent sur la montagne, préservés dans la glace et la neige, servant de jalons sombres pour les futurs grimpeurs. Pourquoi sont-ils laissés là et quelles histoires tiennent-ils? Dans les mots de Reinhold Messner, parlant du risque et de la mortalité sur l'Everest, « Vous ne devez jamais oublier que dans les montagnes, ce n'est pas un héros qui gagne, mais celui qui revient. Quand vous vous tenez au sommet de l'Everest, vous vous tenez à la frontière entre la vie et la mort, entre la gloire et le désespoir, et vous réalisez combien cette ligne est fine. Alors que nous nous embarquons dans cette exploration glaçante, nous vous demandons, notre public intrépide, êtes-vous prêt à découvrir les secrets sombres de l'Everest et à affronter les dures réalités qui se trouvent au sommet du monde? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le cœur du plus haut sommet de la Terre. Bienvenue dans le journal de Jules César. L'énigme de l'Everest, démêler les mystères du sommet le plus haut de la Terre. Dans les annales de l'exploration humaine, peu d'histoires captivent l'imagination comme les premières expéditions vers le mont Everest, le colossal sentinelle gardant l'Himalaya. Le mont Everest, culminant à 8848 mètres, mesuré en 2020, a été identifié pour la première fois comme le pic le plus haut du monde en 1856 par le grand levé trigonométrique de l'Inde. Nommé d'après Sir George Everest, l'ancien géomètre en chef de l'Inde, cette révélation a suscité un attrait irrésistible parmi les aventuriers et les alpinistes. La mesure initiale, connue sous le nom de Pic 15, était calculée à 8840 mètres, un chiffre remarquablement précis étant donné la technologie de l'époque. Le début du XXe siècle a vu une série d'expéditions britanniques motivées par un mélange d'ambition impériale et le frisson de l'inconnu. Les Britanniques, ayant établi une forte présence en Inde, étaient géographiquement et politiquement positionnés pour tenter l'ascension. L'expédition britannique de reconnaissance du mont Everest de 1921, dirigée par Charles Howard Bury, a jeté les bases, cartographiant les itinéraires et explorant les voies potentielles vers le sommet. Cette expédition a également marqué la première utilisation de bouteilles d'oxygène, un développement révolutionnaire dans l'alpinisme en haute altitude. Cependant, c'est l'expédition de 1924 qui s'est gravée dans l'histoire et le mystère. Dirigée par l'esprit indomptable de George Mallory, accompagné du jeune et robuste Andrew Irvine, cette expédition est devenue le point central de la légende de l'Everest. Mallory, un alpiniste chevronné, et Irvine, connu pour son ingéniosité mécanique, se sont lancés dans leur tentative finale de sommet le 8 juin 1924. Ils ont été vus pour la dernière fois par leur coéquipier, Noël Odell, en train d'escalader une imposante marche rocheuse, maintenant connue sous le nom de deuxième étape, avant de disparaître dans les nuages. Le dernier aperçu d'Odell II, allant de bon train vers le sommet, est l'une des citations les plus célèbres de l'alpinisme. La disparition de Mallory et Irvine a suscité des débats et des théories sans fin. Ont-ils atteint le sommet avant leur mort prématurée? Pendant des années,
cette question est restée sans réponse, alimentant à la fois la légende et l'attrait de l'Everest. Ce n'est qu'en 1999 qu'une expédition dirigée par Eric Simonson a découvert le corps de Mallory, gelé et bien conservé à 8155 mètres. Esseuse blessure suggérait une chute tragique. Le corps d'Irvin, cependant, reste perdu à ce jour, ainsi que la caméra qu'il portait, qui pourrait potentiellement détenir des réponses. La découverte du corps de Mallory a peu fait pour apaiser les spéculations. Sur lui a été trouvée une photographie de sa femme qu'il avait promis de laisser au sommet et elle manquait notablement. Cependant, sans preuves concrètes telles qu'une caméra ou des preuves photographiques du sommet, la question de savoir s'ils ont été les premiers à atteindre le sommet de l'Everest reste une énigme séduisante. Les premières expéditions ne concernaient pas seulement l'escalade d'une montagne. Elles étaient un témoignage de l'endurance humaine, du courage et de la poursuite incessante de l'inconnu. Les grimpeurs ont fait face à des difficultés inimaginables, un temps brutal, un air raréfié et un terrain traître. Pourtant, leur esprit est resté inébranlable. L'expédition de 1924, en particulier, s'est démarquée par son mélange poignant d'héroïsme et de tragédie. La réponse célèbre de Mallory à la question de savoir pourquoi il voulait escalader l'Everest, parce qu'il est là, incarne l'esprit des premiers alpinismes. Le sommet de la persévérance, le triomphe de Hillary et Norgay sur l'Everest. Dans les annales de l'exploration, peu de récits résonnent comme la conquête du mont Everest par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Leur ascension en 1953, spécifiquement le 29 mai, marqua non seulement un triomphe sur la plus haute montagne du monde, mais symbolisa aussi le sommet de la détermination et du courage humain. Cette expédition, un témoignage de l'esprit humain indomptable, a gravé à jamais leur nom dans l'histoire et le cœur de la légende de l'alpinisme. L'expédition britannique de l'Everest de 1953, financée par le Comité Himalayen conjoint, fut une entreprise méticuleusement planifiée, impliquant plus de 400 personnes, dont 362 porteurs et 20 Sherpas. L'histoire commence au début des années 50, une époque où l'Everest restait une énigme invaincue. De nombreuses expéditions avaient tenté et échoué, et la montagne, se dressant à une hauteur colossale de 8848 mètres, était considérée comme insurmontable par beaucoup. Cependant, l'expédition britannique de l'Everest de 1953, dirigée par le colonel John Hunt, un militaire passionné d'alpinisme, a vu un rayon d'espoir. L'équipe était un mélange de grimpeurs expérimentés, parmi lesquels l'apiculteur néo-zélandais devenu alpiniste, Edmund Hillary, né le 20 juillet 1919, et le Sherpa expérimenté Tenzing Norgay, né en mai 1914. L'expédition a rencontré son premier défi majeur, même avant d'atteindre le camp de base, en traversant plus de 300 miles de terrain accidenté juste pour préparer l'ascension. Hillary et Norgay étaient un duo improbable, réunis par le destin et un rêve partagé. Hillary, avec son passé d'apiculteur, avait développé une passion pour l'escalade dans les chaînes accidentées de son pays, inspirée par les vues du mont Cook et des Alpes du Sud. Norgay, d'autre part, a grandi dans l'ombre de l'Everest dans la région de Khumbu au Népal et avait fait partie de plusieurs expéditions sur l'Everest depuis 1935, apportant une expérience inestimable et une connaissance locale. Malgré leurs origines différentes, ils partageaient un lien tacite et un respect mutuel, pivot de leur voyage vers le sommet. Cette camaraderie fut symbolisée dans leur décision d'atteindre le sommet ensemble, sans que l'un ne marche sur le pic en premier. L'expédition a fait face à de nombreux défis. La route, traître et imprévisible, était criblée de crevasses, de montées abruptes et du danger toujours présent d'avalanches. La météo était un autre adversaire redoutable, avec des vents capables de balayer les camps et des températures sous zéro, pouvant geler un homme à mort. Pourtant, malgré ces difficultés, l'équipe a persévéré, s'acclimatant à l'altitude et établissant progressivement des camps plus élevés. L'expédition a utilisé plus de 800 livres d'oxygène, le transportant dans des réservoirs de 20 livres, une technique révolutionnaire à l'époque. La poussée finale pour le sommet est venue le matin du 29 mai 1953. Hillary et Norgay, armés de leur esprit infatigable, sont partis du camp 9 à une altitude de 27 900 pieds.
ils ont traversé le redoutable col sud, navigué sur l'intimidant Hillary Step, une face rocheuse presque verticale, juste en dessous du sommet. Et finalement, après des heures d'efforts épuisants, se sont tenus au point le plus haut de la Terre. Ce moment historique a été capturé dans une célèbre photographie prise par Hillary, montrant Norgay avec sa pioche, les drapeaux tibétains flottant au vent. Les mots modestes de Hillary à leur retour, « Nous avons terrassé la brute », sont devenus une citation légendaire reflétant leur triomphe discret. Leur ascension réussie n'était pas seulement une réalisation personnelle, mais un moment d'importance internationale. Elle a été annoncée le matin du couronnement de la reine Elisabeth II, ajoutant à l'ambiance festive au Royaume-Uni. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier, transformant Hillary et Norgay en icônes mondiales. Ils ont été salués comme des héros, incarnation de la bravoure et de l'aspiration humaine. Hillary a été anoblie par la reine Elisabeth II, et Norgay a reçu la médaille George de l'Empire britannique pour leur exploit extraordinaire. Leur réussite a eu un impact considérable. Elle a ouvert la voie à de futures expéditions et a changé le récit de l'Everest d'un défi insurmontable à un défi surmontable. Tenzing Norgay, en particulier, est devenu un symbole de fierté et d'inspiration pour la communauté Sherpa et les grimpeurs du monde entier. Son ascension a contesté la narration occidentalocentrique, alors prévalente de l'alpinisme, et a mis en évidence le rôle vital joué par les Sherpas dans les expéditions himalayennes. Hillary a consacré une grande partie de sa vie ultérieure à aider le peuple Sherpa, établissant le Fonds himalayen en 1960, qui a construit des écoles et des hôpitaux au Népal. Les voies de la gloire de l'Everest, les itinéraires qui conquièrent le sommet. Le mont Everest, un géant majestueux dominant la Terre, a été un symbole d'aspiration et de persévérance humaine. Les routes menant à son sommet ne sont pas de simples chemins de roches et de glace. Elles sont les toiles de l'histoire, peintes avec les histoires de triomphe et de tragédie. Parmi celles-ci, les deux principales artères vers le sommet, la route sud à travers le Népal et la route nord à travers le Tibet, ont été les plus fréquentées, chacune tissant sa propre narration dans les annales de l'alpinisme. La route sud, qui prend son origine au Népal, a acquis une importance historique en tant que chemin emprunté par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay lors de leur ascension historique le 29 mai 1953. Cette route commence par la redoutable chute de glace de Khumbu, un labyrinthe de glace avec des crevasses et des séracs, posant le premier défi majeur aux alpinistes. Avançant à travers le CBBM West, une vallée de haute altitude, les grimpeurs font ensuite face à la face de Lhotse, une pente raide et glacée menant au col sud, située à une hauteur vertigineuse de 7906 mètres. Les derniers obstacles comprennent le célèbre pas de Hillary, une paroi rocheuse presque verticale à environ 8790 mètres avant d'atteindre le sommet. Cette route, accueillant la majorité des expéditions sur l'Everest, doit sa popularité à des conditions météorologiques relativement stables et un accès plus facile par rapport à son homologue du Nord. Inversement, la route du Nord, accessible depuis le Tibet, est imprégnée du mystère des explorations du début du XXe siècle. Elle a été tentée pour la première fois par des alpinistes britanniques dans les années 1920. Cette route, partant du plateau tibétain, implique un voyage périlleux à travers le glacier Rongbuk, menant au camp de base avancé situé à une altitude de 6500 mètres. Les grimpeurs naviguent ensuite à travers une série de crêtes et de camps élevés, faisant face aux défis de vents violents et de niveaux d'oxygène plus bas, la rendant une route plus techniquement exigeante. La crête nord-est, une section critique de cette route, comprend le redoutable deuxième pas, une paroi rocheuse formidable à 8605 mètres, désormais équipée d'une échelle permanente, un témoignage de l'ingéniosité humaine pour conquérir les barrières naturelles. Au fil des années, ces itinéraires ont évolué, les alpinistes recherchant de nouveaux défis et des ascensions plus rapides. Parmi ceux-ci, le couloir Hornbein sur la crête ouest, d'abord gravi en 1963 par les Américains Tom Hornbein et Willie Unseld lors de l'expédition américaine au Mont Everest. Cette route, connue pour sa difficulté extrême et son risque élevé, a marqué un écart significatif par rapport aux itinéraires traditionnels. Elle a démontré la nature évolutive de l'alpinisme
en haute altitude, repoussant les limites de CE qui étaient considérées possibles. Un autre itinéraire remarquable est la crête sud-est, d'abord gravie en hiver, de 1980 par une équipe polonaise. Un exploit qui n'avait jamais été tenté auparavant. Cette expédition audacieuse, dirigée par Andrzej Zawada, a ouvert la porte aux ascensions hivernales, ajoutant une nouvelle dimension à l'escalade de l'Everest. L'ascension hivernale, dans des conditions extrêmes, avec des températures tombant en dessous de moins 60 degrés Celsius, a mis en lumière la résilience incroyable et les compétences requises pour conquérir l'Everest. Chaque itinéraire et chaque ascension sur l'Everest est une histoire d'efforts humains contre des chances accablantes. La montagne, avec son climat rude et son temps imprévisible, a été un adversaire implacable, emportant la vie de nombreux alpinistes. Pourtant, elle continue d'attirer des aventuriers du monde entier, attirés par le prestige de se tenir au sommet du monde. L'ascension de Reinhold Messner et Peter Habeler en 1978 sans oxygène supplémentaire sur la route sud a défié les limites de l'endurance humaine. En revanche, la disparition de George Mallory et Andrew Irvine en 1924 sur la route du Nord reste l'un des plus grands mystères de l'alpinisme, suscitant des débats et des expéditions pour trouver des preuves de leur sort. La conquête de l'extrême, exploit record sur l'Everest. Le mont Everest, ce sentinelle imposant de l'Himalaya, n'a pas seulement été un symbole d'endurance et d'aventure humaine, mais aussi un terrain pour établir et briser des records stupéfiants. Des grimpeurs les plus jeunes et les plus âgés à avoir atteint le sommet aux ascensions les plus rapides et aux multiples expéditions réussies, les records de l'Everest sont aussi époustouflants que la montagne elle-même. Le plus jeune grimpeur à avoir atteint le sommet de l'Everest, selon les enregistrements, était l'Américain Jordan Romero, qui en 2010 a escaladé le pic à l'âge tendre de 13 ans et 10 mois. L'ascension de Romero, partant du côté tibétain en raison des restrictions d'âge au Népal, a suscité des débats sur la sécurité et l'éthique de permettre à de si jeunes grimpeurs sur l'Everest. Pendant ce temps, le record du grimpeur le plus âgé est détenu par Yuichiro Miura du Japon, qui en 2013, à l'âge vénérable de 80 ans, a atteint le sommet de l'Everest. Son ascension n'était pas seulement une victoire personnelle sur l'âge et les limites physiques, mais aussi un message inspirant pour la communauté senior, soulignant que l'âge ne devrait pas restreindre les rêves et les aspirations de quelqu'un. Les records de vitesse sur l'Everest sont tout aussi étonnants. L'alpiniste népalais Lakpa Gelu Sherpa a établi un record remarquable pour l'ascension la plus rapide en 2003, atteignant le sommet depuis le camp de base en seulement 10 heures et 56 minutes. Cet exploit incroyable, réalisé sans l'utilisation d'oxygène supplémentaire, souligne l'endurance remarquable et les capacités d'acclimatation des Sherpas, les héros méconnus de l'Everest. Kami Rita Sherpa, un nom synonyme de multiples ascensions de l'Everest, a atteint le sommet un nombre stupéfiant de 24 fois, la plus récente en 2019. Ses réalisations sans pareille mettent en lumière non seulement son dévouement personnel, mais aussi le rôle crucial des Sherpas dans le soutien de diverses expéditions sur l'Everest. La profonde compréhension de Kami Rita de l'environnement de la montagne et son engagement à guider les autres vers le sommet sont un puissant témoignage de l'esprit de l'alpinisme. L'Everest a également été le lieu de prouesses révolutionnaires par des alpinistes en situation de handicap. En 2001, Eric Weyenmayer des États-Unis est devenu la première personne aveugle à atteindre le sommet de l'Everest. Son exploit a été un exemple frappant de dépassement des limitations physiques pour atteindre un objectif extraordinaire, servant d'inspiration aux personnes en situation de handicap dans le monde entier. Le voyage de Weyenmayer était un mélange de planification minutieuse et d'esprit indomptable, prouvant que la vision va au-delà de la vue. L'ascension hivernale de l'Everest, un défi redoutable en raison du froid extrême et de la météo imprévisible, a été réalisée pour la première fois par l'alpiniste polonais Krzysztof Wilicki et l'italien Reinhold Messner en 1980. Cette expédition révolutionnaire a établi un précédent dans le domaine de l'alpinisme hivernal en haute altitude, démontrant qu'avec les compétences et la détermination adéquates, les alpinistes peuvent surmonter même les conditions les plus rudes. Ces records sur l'Everest ne sont pas de simples statistiques,
Ce sont des histoires de courage humain, de résilience et de la poursuite incessante des rêves. Ils servent de source d'inspiration, montrant qu'avec détermination et persévérance, les gens peuvent transcender leurs limites perçues. Chaque détenteur de record a tissé son histoire unique dans le tissu de l'histoire de l'Everest, inspirant les générations futures à continuer de repousser les frontières de ce qui est humainement possible. Les pics périlleux. Récit poignant de l'Everest. Le mont Everest, culminant à 8848 mètres, est un symbole de beauté inspirante et de danger impitoyable. C'est un lieu où l'endurance humaine rencontre son ultime épreuve, où la fine ligne entre la survie et le désastre est souvent floue. Parmi les nombreuses histoires gravées dans sa façade glacée, le désastre de l'Everest de 1996 se dresse comme un sombre rappel de la nature imprévisible de la montagne. Cette catastrophe s'est déroulée les 10 et 11 mai 1996, lorsqu'une tempête de neige soudaine a englouti des alpinistes de plusieurs expéditions lors de leur tentative de sommet. Ce désastre a coûté la vie à 8 personnes, ce qui en fait l'un des jours les plus meurtriers de l'histoire de l'Everest jusqu'à ce moment-là. L'événement, impliquant des équipes dirigées par des guides expérimentés, tels que Rob Hall d'Adventure Consultant et Scott Fisher de Mountain Madness, a été marqué par la surpopulation avec 33 alpinistes tentant le sommet le même jour et des jugements critiques sous des conditions météorologiques se détériorant. La tragédie de 1996, vivement relatée dans Into Thin Air de John Krakauer, sert de récit puissant sur les dangers de l'alpinisme en haute altitude. Krakauer, lui-même faisant partie de l'expédition malheureuse, fournit un compte rendu de première main des erreurs et du mauvais temps qui ont conduit au désastre. Parmi les victimes figuraient les guides Rob Hall et Scott Fisher, dont l'expertise avait auparavant été incontestée. Leur décès a secoué la communauté alpine, soulignant le péril indiscriminé de la montagne. Cet événement a déclenché un débat généralisé sur la commercialisation de l'Everest et les responsabilités éthiques des leaders d'expédition. Il a également conduit à un examen accru des expéditions commerciales et du niveau d'expérience des alpinistes tentant de gravir l'Everest. Cependant, l'histoire de l'Everest est également tissée d'incroyables récits de survie. L'un de ces escomptes est celui de Beck Weathers, un alpiniste du désastre de 1996. Laissé pour mort dans les suites de la tempête de neige, Weathers a miraculeusement repris conscience et a trébuché jusqu'au camp, survivant à de graves engelures. Son retour étonnant du bord de la mort est un témoignage de la résilience de la volonté humaine. Malgré la perte de sa main droite et de son nez à cause des engelures, l'histoire de survie de Weathers reste l'une des plus remarquables de l'histoire de l'Everest. Son expérience met en lumière non seulement les dangers de l'Everest, mais aussi la capacité remarquable de survie humaine dans des conditions extrêmes. D'autres récits de survie remarquables incluent celui de Lincoln Hall en 2006. Après avoir atteint le sommet, Hall a souffert d'un œdème cérébral et a été laissé par son équipe, présumé mort. Étonnamment, il a été retrouvé vivant le lendemain par une autre équipe, ayant survécu une nuit seule à 8600 mètres. Son sauvetage, impliquant un effort concerté par les alpinistes Dan Mazur, Andrew Brash, Miles Osborne et Zhangbu Sherpa, a mis en évidence l'esprit de solidarité et de compassion humaine qui émerge souvent dans de telles conditions extrêmes. La survie de Hall, après avoir passé plus de 12 heures exposé à une telle altitude, n'était rien de moins que miraculeuse et a ajouté un autre chapitre incroyable à la saga des récits de survie de l'Everest. En 2012, un autre sauvetage dramatique s'est déroulé lorsque l'alpiniste turc Aydin Irmak, bloqué et sans oxygène, a été descendu de la montagne par l'alpiniste américain Dave Hahn. Cet acte extraordinaire de bravoure et de force a sauvé la vie d'Irmak, montrant le profond sens de camaraderie qui existe entre les alpinistes, même dans les situations les plus périlleuses. Hahn, un alpiniste expérimenté de l'Everest, a démontré le code non écrit de l'alpinisme, la volonté de risquer sa propre vie pour sauver une autre. Cet incident a non seulement servi d'histoire inspirante de survie, mais a également souligné l'importance cruciale de guides expérimentés et altruistes sur l'Everest. Les héros méconnus de l'Everest, les Sherpas et leur rôle clé. Dans la grande saga du mont Everest,
les Sherpas, un groupe ethnique indigène de l'Himalaya népalais, ont longtemps été les héros méconnus. Leurs contributions inestimables à l'alpinisme sur l'Everest sont imprégnées d'une riche histoire de bravoure, de compétence et d'une connexion intime avec les montagnes qu'ils appellent leur foyer. Le rôle des Sherpas dans les expéditions sur l'Everest dépasse le simple soutien physique. Les Sherpas ont été essentiels au succès de nombreuses expéditions depuis les années 1920. Leur connaissance du terrain, leur compétence à naviguer sur des chemins dangereux et leur expertise dans la mise en place des camps les rendent indispensables. Tenzing Norgay, qui a atteint le sommet de l'Everest avec Sir Edmund Hillary en 1953, est peut-être le Sherpa le plus célèbre, symbolisant le rôle crucial de sa communauté dans l'alpinisme. Cependant, il y en a beaucoup comme Kami Rita Sherpa, qui, en 2019, détient le record du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest, avec un nombre stupéfiant de 24 sommets. Les défis et les dangers auxquels les Sherpas sont confrontés sont immenses. Ils sont souvent les premiers à emprunter les chemins périlleux, posant des cordes et des échelles, et s'exposant aux risques d'avalanches, de crevasses et aux conditions extrêmes des hautes altitudes. L'avalanche de l'Everest de 2014, qui a coûté la vie à 16 alpinistes népalais, pour la plupart des Sherpas, a mis en lumière les risques disproportionnés auxquels ils sont confrontés. Cet incident tragique a attiré l'attention mondiale sur leur vulnérabilité et a déclenché des débats sur leurs conditions de travail, leur rémunération et leur reconnaissance. Les implications socio-économiques de l'industrie de l'escalade sont significatives pour la communauté Sherpa. Les expéditions d'escalade fournissent des revenus essentiels dans une région aux opportunités économiques limitées. Pour de nombreux Sherpas, les avantages financiers de participer aux expéditions l'emportent sur les risques. Le revenu d'une seule saison d'escalade peut soutenir une famille pendant un an, financer l'éducation des enfants et construire des maisons. Cependant, cette dépendance à l'industrie de l'escalade place également les Sherpas dans une position vulnérable, les obligeant souvent à travailler dans des conditions dangereuses pour la survie économique de leur famille. Malgré leur rôle crucial, les Sherpas ont historiquement reçu peu de reconnaissance par rapport aux alpinistes occidentaux. Cette disparité change progressivement, avec une prise de conscience et une reconnaissance accrue de leurs contributions et sacrifices. Les initiatives de diverses organisations visent à soutenir les Sherpas en leur fournissant un meilleur équipement, une assurance et une formation pour assurer des expéditions plus sûres. De plus, la profonde connexion spirituelle des Sherpas avec l'Himalaya ajoute une dimension unique à leur rôle. Pour eux, l'Everest, ou Chomolungma, comme ils l'appellent, n'est pas seulement une montagne à conquérir, mais une entité sacrée. Ce respect pour la montagne se reflète dans leur approche de l'escalade, qui allie le respect de la nature à leurs compétences remarquables en alpinisme. Les dilemmes éthiques de l'Everest. Controverse au toit du monde. Le mont Everest, se tenant comme le symbole ultime de la conquête humaine sur la nature, n'a pas seulement été un lieu de réalisation extraordinaire, mais aussi de profondes controverses. Parmi les plus pressantes figurent les séas d'alpinistes passant à côté de montagnards en détresse sans leur porter secours et les débats en cours sur la réglementation et la limitation des permis d'escalade. En mai 2006, le monde de l'escalade a été secoué par la tragédie de David Sharp, un alpiniste britannique décédé lors d'une ascension en solo. Sa détresse, ignorée par plusieurs grimpeurs concentrés sur leur tentative de sommet, a déclenché un tollé mondial. Mark Inglis, un amputé double qui a admis avoir passé Sharp, a été plongé dans un tourbillon de critiques. Cet événement a douloureusement souligné une tendance sur l'Everest, où l'ambition d'atteindre le sommet éclipse souvent le code non écrit de l'éthique en alpinisme. Un autre rappel frappant de ce dilemme éthique a été la mort en 2012 de l'alpiniste canadienne Shriya Shaklorfin. Son corps sans vie, gisant près du sommet, a été dépassé par de nombreux grimpeurs. Cet incident a mis en lumière la vérité inconfortable de la « zone de la mort » de l'Everest, au-dessus de 8000 mètres, où l'oxygène est rare et l'environnement est rude. Les alpinistes sont souvent confrontés à la réalité macabre que s'arrêter pour aider un autre montagnard pourrait signifier risquer leur propre vie. Ces incidents soulèvent des questions profondes sur les obligations morales des grimpeurs et la valeur accordée à la vie humaine dans les conditions les plus extrêmes.
La conversation autour de l'Everest s'étend également au sujet controversé de la réglementation des permis. La commercialisation croissante de l'Everest a conduit à une augmentation du nombre de grimpeurs, avec le gouvernement népalais délivrant 381 permis au printemps de 2019 seulement. Le résultat est souvent un environnement encombré et dangereux, illustré par le fameux « embouteillage » sur le pas de Hillary en 2019, où les grimpeurs étaient bloqués dans une file d'attente dangereuse en haute altitude. Cet engorgement augmente non seulement le risque d'accidents et de maladies liés à l'altitude, mais contribue également à la dégradation environnementale de la montagne. Les débats font rage sur la mise en œuvre de réglementations plus strictes pour les permis d'escalade. Les critiques plaident pour la nécessité de prouver une expérience en haute altitude et d'imposer des exigences de conditions physiques rigoureuses pour aborder la montagne. De telles mesures pourraient potentiellement réduire le nombre de grimpeurs mal préparés et améliorer la sécurité globale. Cependant, ces réglementations proposées sont complexes, enchevêtrées dans les réalités économiques du Népal, un pays qui dépend fortement des revenus des expéditions sur l'Everest. La saison d'escalade apporte des revenus vitaux à de nombreuses communautés népalaises, chaque permis coûtant 11 000 dollars en 2019, contribuant de manière significative au secteur du tourisme du pays. Péril au sommet, les dangers mortels de l'Everest. Le mont Everest, ce géant impressionnant de l'Himalaya, n'est pas seulement un symbole d'aspiration humaine, mais aussi des graves dangers qui se cachent sur ses pentes. La montagne a revendiqué plus de 300 vies depuis les premières tentatives de la conquérir au début du XXe siècle, avec diverses formes de décès, peignant un tableau frappant des périls en haute altitude. L'avalanche de 2014, l'une des plus mortelles de l'histoire de l'Everest, a tragiquement emporté la vie de 16 Sherpas dans la chute de glace de Khumbu, un rappel brutal de l'imprévisibilité et de la férocité de ces cascades de neige. Les crevasses, de profondes fissures cachées par des ponts de neige trompeurs, représentent une autre menace importante. En 1982, la montagne a revendiqué la vie des alpinistes américains Marty Hoey et Terry Bech dans un incident glaçant où Hoey, escaladant la face de Lhotse, est tombé à sa mort, emportant Bech avec elle. De tels accidents soulignent la nature trompeuse et traître du terrain sur l'Everest. L'engelure est une cause fréquente de blessures graves et de décès sur l'Everest, résultant du froid extrême. Un exemple notable en est celui de Bech Withers, en 1996, qui a survécu à une tempête sévère, mais a souffert d'engelures graves, conduisant à l'amputation de ses mains. Le risque d'engelure est implacable et peut passer de mineur à mortel en quelques heures sous les conditions rigoureuses de la montagne. Les crises cardiaques, résultant de l'immense effort physique et du stress en haute altitude, ne sont pas rares. Le décès de l'alpiniste japonaise Anne-Laure Schmatz en 1979, près du camp 4, après avoir atteint le sommet, a été attribué à l'épuisement et à une possible crise cardiaque, soulignant les exigences cardiovasculaires d'une telle ascension. L'œdème cérébral de haute altitude et l'œdème pulmonaire de haute altitude sont parmi les maux les plus redoutés sur l'Everest. En 1998, l'alpiniste Francis Arsentiev a succombé à une happée présumée après son ascension privée d'oxygène. Six conditions causées par la réaction défavorable du corps au faible niveau d'oxygène en haute altitude peuvent rapidement détériorer la santé d'un alpiniste, souvent avec des issues fatales. La menace silencieuse de la fatigue, souvent négligée, a conduit à de nombreux décès. Les alpinistes, épuisés par l'escalade implacable et les conditions environnementales difficiles, peuvent commettre des erreurs fatales. La mort de l'alpiniste britannique David Sharp en 2006, près du sommet, probablement à cause du froid et de l'épuisement, sert d'exemple sombre des périls de la fatigue. Le danger imminent de l'effondrement des séracs est une autre menace imprévisible sur l'Everest. Ces énormes blocs de glace instables peuvent se détacher sans avertissement. Un incident tragique en 2005 a vu la mort de trois alpinistes à cause d'un effondrement de séracs dans la chute de glace, un rappel sinistre des structures de glace constamment changeantes et précaires de la montagne. Les décès sur l'Everest ne sont pas de simples statistiques. Ils racontent des histoires d'ambition, de persévérance et de la dure réalité de l'alpinisme en haute altitude.
Chaque décès est un rappel de la nature impitoyable de la montagne et du respect qu'elle commande. Alors que les alpinistes continuent de se défier contre la puissance imposante de l'Everest, ces dangers servent de toile de fond sobre à l'attrait impressionnant de se tenir au sommet du monde. Sentinelle éternelle, l'héritage durable des disparus de l'Everest. Le mont Everest, se tenant comme le défi ultime pour les alpinistes, détient un aspect sombre dans son héritage. Il est le dernier lieu de repos pour plus de 300 grimpeurs qui ont péri sur ses pentes. Cette réalité macabre est clairement évidente dans le phénomène des corps d'alpinistes servant de point de repère. Parmi les plus notables se trouve Green Boots, un grimpeur non identifié que l'on croit être Tsewang Paljor, un membre de la malheureuse expédition indienne de 1996. Ce sbot de couleur vive, dépassant d'une alcôve calcaire à 27 890 pieds sur la route de la crête nord-est, sont devenus un repère glaçant. Un autre exemple poignant est le corps de Francis Arsentiev, qui est décédé lors de sa descente en 1998, après être devenue la première femme américaine à atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire. Pendant des années, son corps, tristement surnommé « la belle endormie », était visible près du chemin du sommet, un rappel hantant des périls de l'Everest. L'éthique entourant la récupération de ces corps ou la décision de les laisser sur place est une question contentieuse et complexe. Les efforts de récupération sur l'Everest sont chargés de risques extrêmes, souvent considérés comme plus dangereux que l'ascension initiale. Cela a été souligné en 2007 lorsqu'une équipe dirigée par Ian Woodall a entrepris une expédition pour récupérer le corps d'Arsentiev, le déplaçant hors de vue par respect. Le coût élevé, tant financier qu'en termes de risques humains, rend de telles récupérations rares. Souvent, les familles des défunts font face à la décision déchirante de laisser leurs proches sur la montagne comme une nécessité pratique, entremêlée avec le sentiment que l'Everest était leur passion et leur dernier voyage. La faisabilité de la récupération dépend largement de l'emplacement et des circonstances de la mort. Tandis que les corps dans les zones inférieures, comme la chute de glace du Khumbu, peuvent être récupérables, ceux dans la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres, comme Rob Hall et Scott Fisher, qui ont péri dans le désastre de 1996, restent souvent. L'altitude extrême, le terrain périlleux et la météo imprévisible rendent les opérations de récupération presque impossibles dans ces zones. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour aborder la question des corps sur l'Everest. Le gouvernement népalais, reconnaissant à la fois les implications éthiques et environnementales, a mené des expéditions de nettoyage. Ces initiatives ont enlevé plusieurs corps des zones basses, ainsi que des tonnes de déchets laissés par des décennies d'expéditions. Cependant, les zones supérieures, en particulier au-dessus du col sud, continuent d'être une sorte de cimetière, avec des corps préservés dans la glace et la neige. L'Everest à vendre, l'impact de la commercialisation sur le plus haut sommet du monde. Le mont Everest, autrefois un défi redoutable réservé aux alpinistes d'élite, a été témoin d'une transformation spectaculaire en raison de l'émergence des compagnies commerciales de guidage. Cette tendance a commencé sérieusement dans les années 90 avec des entreprises telles qu'Adventure Consultant et Himalayan Experience Ltd, proposant des excursions guidées jusqu'au sommet. Ces entreprises fournissaient de l'oxygène supplémentaire, établissaient des cordes fixes et mettaient en place des camps préarrangés, rendant le sommet accessible à un plus large éventail de grimpeurs. Cependant, cette démocratisation de l'Everest a conduit à un encombrement significatif. Le désastre de l'Everest de 1996, où 8 alpinistes sont morts au milieu d'un embouteillage lors de la poussée finale vers le sommet, a souligné les risques inhérents. Into Thin Air de John Krakauer a attiré l'attention mondiale sur cette question, mettant en lumière la dangereuse combinaison de grimpeurs inexpérimentés et des réalités difficiles de l'alpinisme en haute altitude. L'affluence sur l'Everest a atteint des niveaux sans précédent ces dernières années. La saison d'escalade de 2019 a été particulièrement illustrative de cette question, avec des photographies virales montrant des files de grimpeurs serpentant leur chemin vers le sommet. Plus de 381 permis ont été délivrés par le gouvernement népalais cette année-là, entraînant plus de 800 personnes, y compris des Sherpas, sur la montagne pendant la haute saison.
Cette surpopulation augmente non seulement le risque d'accident et exacerbe les maladies liées à l'altitude, mais met également une pression immense sur l'écosystème délicat de la montagne. L'impact environnemental de la commercialisation de l'Everest est une préoccupation croissante. La montagne est jonchée de déchets provenant des expéditions, y compris des canettes d'oxygène, du matériel cassé et d'autres débris. On estime que plus de 50 tonnes de déchets se sont accumulées sur l'Everest. En réponse, le gouvernement népalais et diverses ONG ont initié des campagnes de nettoyage. Un effort notable en 2019 a conduit à l'enlèvement de 11 tonnes de déchets et 4 corps. Malgré ces efforts, le défi de garder l'Everest propre reste redoutable, étant donné l'afflux continu de grimpeurs chaque saison. La commercialisation de l'Everest a eu des effets profonds sur la montagne et ceux qui cherchent à l'escalader. Bien qu'elle ait ouvert la porte à de nombreux pour réaliser leur rêve d'atteindre le sommet, elle a également soulevé de sérieuses questions éthiques et environnementales. Équilibrer les avantages économiques du tourisme de l'Everest avec la nécessité de préserver et de respecter cette montagne emblématique est un défi constant. Alors que l'attrait de l'Everest continue d'attirer des grimpeurs du monde entier, trouver un moyen durable est crucial pour garantir que ce pic majestueux reste une source d'émerveillement pour les générations futures. Naviguer vers de nouveaux horizons. Changements technologiques et environnementaux sur l'Everest. Le mont Everest, se dressant comme un défi colossal et un symbole de la grandeur de la nature, connaît des transformations significatives dues aux avancées technologiques et aux changements environnementaux. Ces développements redéfinissent l'expérience de l'escalade et introduisent de nouvelles dynamiques dans les expéditions sur l'Everest. Le domaine du matériel d'escalade a connu des avancées remarquables. Les combinaisons modernes, utilisant des matériaux de pointe, offrent une efficacité thermique améliorée et un poids réduit, loin de l'équipement volumineux d'Edmund Hillary et Tenzing Norgay lors de leur expédition de 1953. Les systèmes d'oxygène ont également évolué, avec des grimpeurs comme Camille Rita Sherpa, qui a atteint le sommet de l'Everest, un record de 24 fois en 2019, bénéficiant de bouteilles d'oxygène plus légères et plus efficaces. Cette évolution technologique est cruciale dans la zone de la mort, où chaque once compte. La technologie de communication a également fait un bond en avant, avec des téléphones satellites et des dispositifs GPS, désormais standards dans l'équipement des grimpeurs, une amélioration significative par rapport à l'équipement radio rudimentaire utilisé dans les expéditions précédentes. La prévision météorologique sur l'Everest a subi une révolution, devenant un outil crucial pour les ascensions réussies. Des modèles météorologiques avancés et des données en temps réel, comme celles fournies par des services tels que everestweather.com, offrent des prévisions précises et opportunes. Cela n'était pas disponible lors du tragique désastre de l'Everest, en 1996, où des tempêtes soudaines ont conduit à la mort de 8 grimpeurs. L'amélioration des prévisions a été cruciale dans la planification de fenêtres de sommet plus sûres, réduisant le risque d'être pris dans des changements météorologiques soudains. Cependant, le changement climatique pose de nouveaux défis. La fonte des glaciers de l'Everest, attribuée au réchauffement climatique, modifie les itinéraires d'escalade. La chute de glace du Khumbu, l'une des sections les plus périlleuses de la route du col sud, montre des signes d'instabilité en raison de ce recul glaciaire. Les recherches menées par des scientifiques, y compris ceux du Centre international pour le développement de la montagne intégrée, indiquent une perte significative de glace dans la région de l'Everest, affectant non seulement les itinéraires d'escalade, mais aussi les écosystèmes locaux. Les changements environnementaux sur l'Everest ont conduit à des conséquences inattendues, telles que l'émergence des corps de grimpeurs passés, précédemment emprisonnés dans la glace. Cette révélation macabre soulève des dilemmes éthiques concernant la manipulation et le respect de ces aventuriers disparus. Elle souligne également les implications sanitaires et environnementales de la fonte des glaciers, faisant écho aux préoccupations des grimpeurs et des écologistes. En réponse à ces impacts environnementaux, des efforts concertés ont été faits pour rendre l'escalade plus durable. Les campagnes de nettoyage se sont intensifiées avec le gouvernement népalais et diverses ONG prenant des mesures proactives. L'initiative de nettoyage de 2019, qui a enlevé plus de 11 tonnes de déchets et 4 corps de l'Everest, fait partie des efforts continus pour préserver l'écologie de la montagne.
Ces initiatives sont vitales pour maintenir la beauté naturelle de l'Everest, qui attire des milliers de grimpeurs et de touristes chaque année. Le défi de l'air rare, comprendre la physiologie en haute altitude sur l'Everest. Le mont Everest, culminant à une hauteur stupéfiante de 8848 mètres, représente un défi redoutable pour la physiologie humaine. L'altitude extrême crée une condition connue sous le nom d'hypoxie hypobare, où la pression atmosphérique réduite entraîne des niveaux d'oxygène plus bas. Cet environnement pousse le corps humain à ses limites, nécessitant une série de réponses physiologiques adaptatives. Par exemple, les alpinistes éprouvent initialement une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, alors que le corps tente de maximiser l'absorption d'oxygène. Cependant, cette adaptation a ses limites. Une exposition prolongée à de telles conditions peut conduire au mal aigu des montagnes, et dans des cas graves, cela peut progresser vers des conditions potentiellement mortelles, telles que l'œdème pulmonaire de haute altitude et l'œdème cérébral de haute altitude. Ces dernières conditions ont coûté la vie sur l'Everest, y compris à des alpinistes renommés comme Francis Arsentiev en 1998 et Rob Hall lors du tragique désastre de l'Everest en 1996. La dernière communication de Hall avec son équipe, « Je t'aime, dors bien ma chérie, ne t'inquiète pas trop », souligne poignamment le coût humain de l'escalade en haute altitude. Le rôle de l'oxygène supplémentaire dans les expéditions sur l'Everest est un facteur critique pour la sécurité et le succès des alpinistes. Depuis la première ascension réussie par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953, l'utilisation d'oxygène supplémentaire est devenue une pratique standard. La plupart des alpinistes utilisent maintenant de l'oxygène en bouteille au-dessus de 7000 mètres pour atténuer les risques de maladies d'altitude. Cependant, la dépendance à l'oxygène supplémentaire n'est pas sans controverse et danger. Le désastre de l'Everest de 1996 a mis en évidence les périls associés à la dépendance à l'oxygène. Plusieurs alpinistes faisant face à des situations potentiellement mortelles en raison de défaillances du système d'oxygène et d'une mauvaise gestion. Les SEAS ou les alpinistes ont commencé à utiliser de l'oxygène supplémentaire plus bas sur la montagne, contrairement aux pratiques recommandées, illustre le potentiel de mauvais usage et de surdépendance à l'aide artificielle. Le changement climatique exacerbe les défis de la physiologie en haute altitude sur l'Everest. Avec l'augmentation des températures mondiales, l'Himalaya est témoin d'une fonte glaciaire significative, modifiant le paysage de la montagne et les conditions d'escalade. La chute de glace de Khumbu, une section périlleuse de l'itinéraire du col sud, est devenue de plus en plus instable, posant de plus grands risques pour les alpinistes. Ces changements environnementaux nécessitent un niveau de adaptabilité et de préparation plus élevé chez les alpinistes, qui doivent maintenant faire face à un environnement montagneux en évolution et moins prévisible. Les avancées en médecine de haute altitude et en équipement ont été essentielles pour améliorer la sécurité et les taux de réussite des alpinistes. Les combinaisons d'escalade modernes, fabriquées à partir de matériaux de pointe comme le Gore-Tex, offrent une protection améliorée contre le froid extrême et le vent, tandis que les avancées dans les systèmes d'oxygène les ont rendues plus efficaces et fiables. La recherche en médecine de haute altitude a conduit à de meilleures mesures préventives et traitements pour les maladies liées à l'altitude, contribuant à une diminution des décès et à une augmentation des sommets réussis. Par exemple, l'utilisation de médicaments comme l'acétazolamide pour la prévention du MAM et la disponibilité de chambres hyperbares portables ont considérablement amélioré la sécurité des alpinistes. Everest, un sommet tissé de significations culturelles. Le mont Everest, une présence colossale à cheval sur la frontière du Népal et du Tibet, n'est pas seulement une merveille géographique, mais un symbole profondément ancré dans le tissu culturel des communautés qui l'entourent. Dans la culture népalaise, l'Everest, connu sous le nom de Sagarmatha, est considéré comme la mère de l'univers. Cette révérence transcende sa stature physique, l'ancrant profondément dans la vie spirituelle des communautés locales. Le peuple Sherpa, originaire de la région himalayenne, tient l'Everest en haute estime, le considérant comme une divinité. Leur connexion spirituelle à la montagne est exemplifiée dans des rituels tels que la cérémonie du Puja, un rite religieux effectué avant les expéditions d'escalade.
Lors du puja, des prières et des offrandes sont faites, et des drapeaux de prières colorés sont attachés, censés porter les prières vers les cieux. Cette cérémonie est une expression profonde du respect et une supplication pour un passage sûr, reflétant la croyance profondément enracinée des Sherpas dans la sacralité de la montagne. La culture tibétaine, enrichie par les traditions bouddhistes, voit Chomolungma, le nom tibétain pour l'Everest, comme une incarnation sacrée du principe divin féminin. Pour les Tibétains, l'Everest n'est pas seulement une entité physique, mais un symbole d'accomplissement spirituel, semblable au chemin vers l'illumination dans la philosophie bouddhiste. La montagne figure dans de nombreuses légendes et mythes tibétains, ajoutant une dimension mystique à sa grandeur. Escalader l'Everest, du point de vue tibétain, est comparable à un pèlerinage, un voyage non seulement physique, mais aussi de signification spirituelle. Cet aspect culturel influence la façon dont les Tibétains interagissent avec la montagne, soulignant le respect et l'humilité. Pour les alpinistes du monde entier, l'Everest représente le défi ultime, un symbole de la réalisation de l'impossible. Il est devenu une métaphore de l'aspiration humaine et de la persévérance, transcendant les frontières culturelles et géographiques. L'attrait universel de la montagne est capturé dans la réponse célèbre de George Mallory à la question de savoir pourquoi il voulait escalader l'Everest. Parce qu'il est là. Cette déclaration incarne le charme de l'Everest comme un symbole de la conquête des plus grandes hauteurs. Alors que nous concluons notre voyage à travers les contes imposants et les mystères profonds du mont Everest, nous partons avec une compréhension plus profonde de ce sommet magnifique. Des premiers pas triomphants de Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953 aux âmes courageuses qui continuent d'inscrire leurs histoires sur sa toile glacée, l'Everest reste un témoignage du courage humain et de l'aspiration. Chaque empreinte laissée dans sa neige est un récit de persévérance, chaque sommet une histoire de triomphe contre toute attente. Mais l'Everest est plus qu'une montagne, c'est un symbole de notre quête inlassable d'aventure et de découverte. Dans les mots de George Mallory, qui rêvait de conquérir l'Everest, la première question que vous poserez et que je dois essayer de répondre est la suivante. Quelle est l'utilité d'escalader le mont Everest? Et ma réponse doit être immédiatement, il n'y a aucune utilité. Il n'y a pas la moindre perspective de gain quelconque. Or, nous pourrions apprendre un peu sur le comportement du corps humain en haute altitude, et peut-être que les médecins pourront utiliser nos observations à des fins d'aviation, mais sinon, rien n'en résultera. Nous ne ramènerons pas un seul morceau d'or ou d'argent, pas un joyau, ni aucun charbon ou fer. Si vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a quelque chose dans l'homme qui répond au défi de cette montagne et va à sa rencontre, que la lutte est la lutte de la vie elle-même, vers le haut et toujours vers le haut, alors vous ne verrez pas pourquoi nous y allons. Dans cet esprit, l'Everest continuera de captiver et de défier, une sirène des cieux appelant ceux qui osent rêver en grand. Et lorsque nous levons les yeux vers son sommet imposant, touchant les cieux, nous sommes rappelés des possibilités infinies qui résident en chacun de nous. Au revoir, et puissent vos voyages vous conduire toujours vers de nouveaux sommets.